Eh bien, très chers amis, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour un selfie Torah. J'aimerais avec vous partager une petite idée à propos du verset qui nous dit « Sheva yipol tzadik vekam » Le juste tombe cette fois et se relève. Eh bien, les commentateurs nous disent quelque chose de tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme est tzadik ? C'est qu'il est tombé cette fois. Le fait qu'il soit tombé cette fois, très chers amis, eh bien, ça fait qu'en fait, il prend la leçon de ses échecs pour recommencer encore et recommencer encore pour finalement à la fin réussir. Ce qui fait qu'il est tzadik, c'est pas que il sait continuer après les 7 fois, mais c'est surtout qu'il sait se relever. Il se relève, il retombe, il ne regarde pas la chute, mais il regarde finalement la relève. Le moment de se dire je vais prendre leçon de tout ce qu'il m'est arrivé pour finalement mieux recommencer. Et c'est ça qui fait de lui un tzadik. Très souvent dans la vie, très chers amis, quand on échoue, on a cette idée de se dire, bien, je vais arrêter. Parce que finalement, la chance n'est pas de mon côté. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que je continue. Tout ça, c'était des excuses. Qu'est-ce qui va faire de toi un tzadik? C'est que même si tu es tombé 7 fois, tu prends la leçon de chaque chute et tu te relèves encore plus fort. À très bientôt pour un nouveau selfie.